Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Élodie Jacquier-Laforge, députée Modem de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Pour beaucoup, les feuilles de paye sont arrivées. Avez-vous vu les baisses de cotisations ou les hausses de CSG peut-être? Le gain de pouvoir d'achat tant espéré sera-t-il vraiment au rendez-vous? Les Français ne sont pas convaincus. Emmanuel Macron chute dans les sondages d'opinion. On se mobilise dans les EHPAD, dans les prisons, dans les universités. Motards et automobilistes en colère manifestent également. Cette année sera décisive pour le pouvoir qui prépare les élections européennes de l'an prochain. En avocat de la Défense, cette semaine, Élodie Jacquier-Laforge. Merci d'avoir accepté notre invitation. Députée de la 9e circonscription de l'Isère. Alors, on vous a suivi pendant la campagne l'an dernier, la campagne législative. Cette 9e circonscription, elle est particulièrement étendue, hein, du Royan jusqu'au Voironnais, en passant par Tulin, Rives. Vous avez été portée, vous aussi, par cette vague En Marche, même si vous avez l'étiquette Modem. Oui, tout à fait, puisque j'étais sous les couleurs d'En Marche pour le Modem. Et donc, ça fait maintenant 7 mois que je suis élue à l'Assemblée nationale. Si on vous avait dit il y a un an que ce pari serait réussi? Je ne crois pas que je l'aurais cru, hein, très sincèrement. Et d'ailleurs, il m'a fallu quelques temps pour réaliser et m'adapter à mes nouvelles fonctions, trouver une permanence. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie de façon... très, très importante, oui. La nouvelle vie d'une jeune femme, en plus, puisque vous n'avez pas encore 40 ans. On rappelle que vous avez été élue au deuxième tour avec 6 voix sur 10, hein, face au candidat de droite Bruno Gattaz, adjoint au maire de Voiron. Une personnalité médecin assez bien implantée. D'ailleurs, durant la campagne, on vous a souvent fait le procès du parachutage. Est-ce que vous en avez souffert à l'époque ? Alors, j'ai bien évidemment été touchée par ce genre de remarques, hein, puisque j'ai grandi à Voiron, je suis née à Grenoble, j'ai voilà, toute ma famille ici. Donc oui, comme j'ai ressenti ça comme de l'injustice. Alors, bon, la campagne n'a pas tourné que là-dessus quand même. On reviendra sur les grands positionnements que vous défendez aujourd'hui. Un mot quand même sur votre installation à l'Assemblée nationale. Alors, ce n'est pas un milieu que vous découvriez, hein, soyons clairs. Alors, non, puisque j'ai été collaboratrice parlementaire au Sénat. Donc, je connais le droit parlementaire. Je sais ce que c'est qu'un gouvernement. Je sais comment fonctionnent les institutions. Après, je n'avais jamais été élue moi-même. Donc c'est très différent. Accompagner un élu et être élu, c'est pas la même chose. Donc, il a fallu aussi réadapter ma vie personnelle entre les allers-retours hebdomadaires entre l'Assemblée et la circonscription. On vous voit là à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de la première intervention que vous avez faite ? Oui. Bah, c'est-à-dire que le premier texte, en fait, sur lequel j'ai été amenée à intervenir, j'ai pris la parole au perchoir et c'est extrêmement impressionnant. Oui, parce qu'on n'imagine pas effectivement quand on voit ça à la télévision, mais les députés sont très près. Hein. C'est une arène oui. Où les députés de la majorité, mais aussi de l'opposition, sont très très proches des orateurs. C'est très très proche et en plus il y a toute la... On va dire la mise en scène, c'est-à-dire vous montez les marches, vous installez. Les premières minutes, votre papier, il est tout flou parce que voilà, vous êtes... Enfin, juste le regard. C'est ça. Donc c'est très, très impressionnant. Alors après, la deuxième fois, ça va mieux. La troisième fois, ça va mieux. La quatrième fois, encore mieux. Je ne pense pas qu'on s'habitue totalement, mais en tout cas, j'ai pris mes marques aujourd'hui. Bon, puis le rythme a été assez effréné. On va évidemment en reparler. Vous nous expliquiez avoir été l'attachée parlementaire d'une sénatrice. Alors c'est une sénatrice qui est aujourd'hui ministre, hein, Jacqueline Gourault. Qui était sénatrice du Loir-et-Cher. Vous l'avez accompagnée en tant que collaboratrice pendant plusieurs années. Elle est aujourd'hui ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Elle a un poste clé dans le gouvernement. Ça aide pour faire avancer certains dossiers, de bien la connaître ? En tout cas, il y a forcément une proximité. C'est un atout. C'est un atout pour effectivement faire avancer certaines problématiques qui peuvent être locales ou nationales. Sachant que, bien évidemment, quand on a travaillé plus de 10 ans ensemble, de toute façon, il y a une communauté de valeurs et de convictions qui fait que c'est facile de travailler ensemble. Bon, d'ailleurs, elle a même elle-même été une élue Modem. Elle est encore, d'ailleurs, élue Modem, tout comme vous. Vous êtes quoi, une cinquantaine de députés à l'Assemblée nationale à porter cette étiquette ? Oui, une cinquantaine, avec un président de groupe avec lequel, Marc Fesneau, avec lequel
on a vraiment une latitude de travail et une liberté de parole qui est très appréciable. Bon, du coup, ça, c'était le deal à l'époque de l'élection entre le MoDem et En Marche. C'est-à-dire, on se soutient, on porte les mêmes valeurs et puis on aura un groupe assez fort après à l'Assemblée. Donc, c'était ça le marché, on est d'accord. Oui, enfin, c'était effectivement les accords qui avaient été trouvés et qui font que le MoDem est totalement dans la majorité. Mais il a quand même son groupe, sa voix, ses particularités, ses convictions. Donc parfois, vous n'avez pas tout à fait les mêmes positionnements que vos collègues En Marche, c'est ça? C'est-à-dire que le MoDem dépose des amendements et apporte vraiment sa pierre au débat parlementaire. Alors à l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la commission des lois, très sérieuse. Alors vous êtes avec d'autres députés de l'Isère, hein, Catherine Kamowski qu'on a reçue tout récemment, Émilie Chalas à Grenoble, Caroline Abadie, parlementaires de l'Isère sont aussi à la commission des lois. C'est un poste clé. Ah ben, on voit bien là dans le premier semestre 2018 que la commission des lois est extrêmement mobilisée sur tous les sujets qu'on va, j'imagine, voir ensemble, la révision constitutionnelle, les 5 chantiers de la justice, l'asile. Enfin, on a une commission qui a, de par son histoire et par son nom, un champ d'action qui est très très large. Alors, on va revenir sur les premiers mois d'Emmanuel Macron. Vous êtes plutôt une convaincue, j'imagine. Vous pensez qu'il a bien réussi ce premier semestre, on va dire. Mais certains parlementaires, même de la majorité, quand même, se plaignent du rythme un peu effréné des premiers mois. Alors, je pense que ça ne va pas se calmer. Donc, je pense qu'il vaut mieux s'adapter au rythme. Que se plaindre. Bah, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, s'ils ont, enfin, voilà. En tout cas, moi, mon positionnement, c'est de voir effectivement de m'adapter à ce rythme-là. Après, il faut aussi garder du temps pour la réflexion. Et c'est ce que je souhaite aussi, moi. Mais ça, c'est après à chacun de s'organiser comme il le souhaite. Hein, mais je veux garder du temps pour réfléchir et pour parfois me décoller de l'actualité qui, voilà, c'est une voilà, qui ne s'arrête jamais, comme vous le savez. Un gros tambour de machine à laver qui emporte tout, effectivement. C'est ça, si à un moment donné, on ne sort pas. Alors, il faut du recul pour réfléchir, et puis il faut aussi quand même du débat. C'est le travail du parlementaire. Tout à fait. Et vous entendez les critiques de l'opposition qui disent « Mais avec cette majorité écrasante, impérialiste, il n'y a plus de place pour le débat, et l'opposition est complètement oubliée. » Alors, écoutez... Pour avoir été rapporteur d'une proposition de loi sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, j'ai fait un travail d'audition et j'ai associé les collègues de l'opposition à tout ce travail. Et les propositions qui, moi, en tant que rapporteur, me semblaient aller dans le bon sens, je les ai intégrées à mon rapport. Donc, après, ça se passe peut-être pas comme ça sur tous les textes. Mais en tout cas, j'ai, moi, une attention à ce que peut dire l'opposition, excusez-moi, parce que ça me paraît juste. Justement, c'est ce que vous dites, ça enrichit le débat. C'est peut-être du coup sur les textes qui concernent les vrais marqueurs politiques que le débat est plus tendu. Alors après, je pense que les débats soient tendus, je pense que c'est normal et c'est le jeu de la vie politique. Après, ça a souvent été dit, hein, quand une idée est bonne, d'où qu'elle vienne, me semble-t-il, il faut qu'elle soit reprise. Alors, on évoquait les premiers mois d'Emmanuel Macron. Vous avez vu le sondage de cette semaine. La cote de confiance du président s'effrite un peu. Le décrochage est particulièrement net dans le monde rural et les milieux populaires. Il recule de 4 points dans le baromètre Elab pour les Échos cette semaine. 38% des Français seulement lui font confiance. C'est presque le même niveau que François Hollande au même moment de son quinquennat. Oui, alors après, je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir conscience du regard et du sentiment des Français sur l'action du gouvernement. Après, pourquoi le rapprochement avec François Hollande? Ça, peut-être vous m'expliquerez pourquoi vous faites ce rapprochement-là. On compare. Vous comparez. Après, il faut aussi comparer ce qui est comparable. On a eu un deuxième tour, comme vous le savez, où le président actuel était face au Front National. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier la façon dont les choses se sont faites. Qu'il y ait un décrochage, un effritement, je pense qu'il faut quand même
de toute façon rester mobilisés, continuer les réformes qui sont entamées, parce que si vous voulez, pour moi, c'est vraiment important, on est attendu, on ne peut pas ne pas faire les choses. Alors après, souvent ce qui est dit, c'est on l'a dit, on le fait, il faut quand même écouter. Il faut rester justement dans la concertation et je pense que là, le Parlement a un rôle très important à jouer. Alors en ce début d'année quand même, les Français ont surtout retenu la hausse de la CSG, la hausse de l'essence, du tabac, des PV de stationnement, toutes ces petites hausses qui finalement ont sans doute contribué à l'effritement du chef de l'État. Près d'un Français sur deux d'ailleurs pense que les mesures du gouvernement vont réduire leur pouvoir d'achat. Emmanuel Macron perd 10 points chez les retraités dans ce sondage. C'est évidemment un angle d'attaque qui est largement repris par l'opposition. Écoutez Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l'Isère. On a beaucoup d'impact sur le quotidien des gens, notamment des retraités qui prennent de plein fouet plusieurs. Alors la ponction sur la CSG, ça c'est une chose, mais l'augmentation des carburants et un certain nombre de choses qui concernent tout le monde, mais plus particulièrement eux. Et quand j'ai entendu le Premier ministre me répondre dans l'hémicycle qu'il ne toucherait qu'aux retraités les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui touchent 1 380 € par mois... Enfin, moi, je serais contente d'apprendre que les retraités qui touchent 1 300 € par mois sont aisés, hein, parce que je pense qu'ils ne s'en sont pas du tout rendus compte aujourd'hui. Mais voilà, donc je pense que ça, il y a plutôt une politique qui est défavorable aux classes moyennes et aux classes sociales plutôt modestes. Et je pense que les effets vont se produire un peu plus tard. Et donc, il faut qu'on rééquilibre. Aujourd'hui, le rééquilibrage n'y est pas. Il faut qu'on fasse des propositions. C'est un peu tôt. C'était la semaine dernière sur ce plateau. 1 380 €, est-ce que ce n'est pas finalement cette limite qui a été une erreur? Alors, le MoDem... avait fait une proposition pour effectivement relever le plafond. C'est d'où la spécificité aussi de notre... Mais il n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu. Dont acte. Donc par rapport à ce qui est dit par Madame Battistel, hein, qui est qui est une élue très engagée et qui d'ailleurs le dit, hein, que quand il y a une chose de bien, elle le vote. Partagez assez son avis. Je partage son avis avec quand même une chose qui pour moi quand même est importante, c'est que les retraités par rapport aux actifs. Il me semble que quand vous avez un revenu qui est similaire, si vous voulez, je pense que c'est normal que le retraité soit autant impacté que l'actif. Et que du coup, si vous voulez, ça aussi, dans ce rééquilibrage-là, il faut aussi, parce que l'actif, il a très souvent son logement à rembourser, il a très souvent aussi des enfants à charge. Ça ne veut pas dire que tous les retraités ont payé leur logement et qu'aucun n'a d'enfants à charge. C'est un peu ce qu'ils entendent. C'est un peu ce qu'ils entendent. Mais il y a quand même des dépenses qui ne sont pas totalement les mêmes entre un actif et un retraité. Alors 58% des Français considèrent que la politique menée va dégrader leur situation financière personnelle. Et Emmanuel Macron perd 9 points chez les habitants du monde rural. Il tombe à 30% d'opinion favorable. C'est le procès du président des villes et le président des riches, que sous-entendait Marie-Noëlle Battistel. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un angle qui est repris par les oppositions, hein, aussi bien la Nouvelle Gauche que les Républicains à l'Assemblée. Ils sont vraiment en phase sur cette ligne-là. Pour moi, élu du MoDem, je regrette vraiment qu'on oppose l'urbain et le rural. Je pense que le monde rural n'est pas un monde à part, totalement déconnecté. Je pense qu'il y a des liens qui existent parce que vous pouvez habiter dans le rural, travailler dans l'urbain et inversement. Donc pour moi, je ne veux pas faire d'une boîte à part la ruralité. Que vous le pensiez, j'en ai bien conscience. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la position du chef de l'État ? Alors en tout cas, de façon très concrète... À l'Assemblée nationale, nous, on a un positionnement justement pour défendre la ruralité et non pas une ruralité défensive, de repli, abandonnée. Non, de dire que la ruralité, elle a des atouts, elle a des chances et que justement, il faut donner
libérer toutes les potentialités de la ruralité. C'est pas juste des territoires comme on pourrait nous les présenter perdus et qu'on pourrait pas redynamiser si nécessaire. Allez, on va, Madame la députée, commenter les grands sujets d'actualité. L'immigration, le droit d'asile. Vous avez vu en fin de semaine à Calais ces violents affrontements entre migrants. Hein, une vingtaine de blessés, dont 4 évacués dans un état très grave, touchés par des tirs d'armes à feu. À l'origine, une bagarre entre migrants afghans et africains. Sans doute aussi un règlement de compte entre passeurs. C'est un degré de violence jamais connu, a dit le ministre de l'Intérieur. Il faut dire qu'environ 800 personnes, 800 migrants sont à Calais et veulent passer impérativement en Grande-Bretagne. Le gouvernement prépare un projet de loi, asile et immigration. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire à la fois de l'humanité et de la fermeté, a dit le chef de l'État. Oui, c'est effectivement à la fois l'humanité et à la fois l'efficacité. Et ça, c'est le « en même temps ». Est-ce que ça marchera sur un sujet comme ça? Alors, c'est un sujet... Alors, il faut quand même dire les choses. Hein, c'est un sujet qui est très sensible, qui est complexe, puisque vous avez à la fois des conventions internationales, vous avez à la fois des lois, vous avez à la fois les municipalités, vous avez tout un imbriquement de responsabilités qui ont lieu. C'est un sujet qui est très ancien, puisque l'immigration en France est dès le 19e siècle. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de... Voilà, on ne découvre pas les difficultés. Sauf que, si vous voulez, le droit d'asile, hein, aujourd'hui, l'OFPRA a donné ses chiffres en début d'année, plus de 100 000 demandes. On arrive à un niveau de demande totalement inédit. Le droit d'asile, il est strictement encadré. Vous avez droit à l'asile si vous êtes, comme vous le savez, persécuté pour des raisons politiques, que votre vie est mise en jeu pour ces raisons-là. Et le droit d'asile, il est vraiment circonscrit à certaines conditions. Donc les migrants qui arriveraient en France pour une migration climatique, on va dire, ou pour une migration économique, ceux-là, on les renvoie chez eux. Alors, vous avez le droit d'asile. Et donc là, il s'agit vraiment de renforcer à la fois un meilleur traitement, avoir un meilleur accueil, plus digne, c'est-à-dire un hébergement qui, comme vous le savez, est inconditionnel, qui se fait en même temps que le traitement de la demande d'asile. Une demande d'asile traitée en 6 mois avec la première partie, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avec en appel la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et au bout de cette décision-là, soit la personne a l'asile, soit elle ne l'a pas. Si elle ne l'a pas, à ce moment-là, elle est déboutée. Et si elle est déboutée, elle doit rentrer dans son pays. Ce qui va être prévu dans ce projet de loi, c'est que si la personne, en parallèle, fait une demande de titre de séjour, elle peut faire une demande parce qu'elle est malade, pour des raisons économiques, parce qu'elle est étudiante. Des étudiants, pour des raisons familiales, les conjoints de Français, pour de regroupements familiales. Donc on repart pour l'étude du dossier. Non, on va, dans le nouveau projet de loi, faire l'instruction en même temps. Ce qui veut dire que la personne qui aura été déboutée de l'asile et dont le titre de séjour n'aura pas connu une issue favorable, saura dans les 6 mois la décision qui sera prise par l'État français. Et elle sera raccompagnée. Et besoin. Elle sera raccompagnée si elle ne répond pas aux critères pour pouvoir rester. Allez, on avance sur les sujets de la semaine. Il y en a beaucoup, donc on va aller assez vite. Situation très tendue cette semaine dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il y a une centaine de ces établissements en Isère, 7000 en France. Et partout, c'est le même constat. Pas assez de personnel, à tel point que les agents n'ont pas le temps de prodiguer des soins dignes de la personne humaine. Certains parlent même de maltraitance institutionnelle. Cette semaine, pour la première fois, ils ont manifesté partout en France et notamment à Grenoble. Première manifestation des EHPAD, ils demandent plus de moyens financiers et humains, une situation de crise qui impacte sur le traitement des résidents. C'est ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire que c'est nos conditions dans lesquelles nous travaillons qui font qu'on maltraite sans le vouloir les résidents. Il faudrait qu'il y ait plus d'argent pour les établissements et puis surtout plus de personnel, parce qu'on est loin du taux d'encadrement de 1%, de 1 pour 1 prévu par le plan solidarité grand âge de 2012. Actuellement, on est à 0,38 en Rhône-Alpes. Les EHPAD du département ne sont donc pas épargnés par le manque de personnel. Au Touvet, on compte 8 soignants pour 100 résidents.
on est quand même seul pour 15 résidents où on doit vraiment s'occuper d'eux, le petit déjeuner, la toilette, les mises aux toilettes, le repas du midi, l'échange, le soir le repas, les mises au coucher. Donc par moment, et ben on, voilà, s'ils veulent rester plus longtemps, on ne peut pas, on n'a pas le temps. On ne respecte pas du tout leur rythme de vie. Des familles étaient également présentes aujourd'hui pour affirmer leur soutien. Ben moi, je pense que tous ceux qui font les lois, qui décident, ils ne se mettent pas dans la tête qu'un jour, leur place, elle sera en EHPAD et que malheureusement, eh ben, ils seront aussi peut-être maltraités. Et ben, il faut qu'ils y pensent parce qu'effectivement, il faut des moyens financiers, mais il faut aussi des gens et qu'on reconnaisse leur travail. Si elles n'étaient pas là, moi, je ne pourrais pas avoir ma maman et ma belle-mère placées. Hein. En plus de 100 millions d'euros inscrits dans le budget 2018 de la Sécurité sociale, le gouvernement a annoncé débloquer une nouvelle enveloppe de 50 millions d'euros pour les EHPAD en difficulté. Voilà, Madame la députée, demain, peut-être que vous irez en EHPAD, alors après-demain, parce que vous êtes encore assez jeune. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas là dans un problème, là aussi, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a été abandonné depuis des décennies ? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait campagne, j'ai parlé de cette question-là. Parce que je l'ai vécu à titre personnel et que quand la dame dit qu'il faudrait que les élus sachent, je sais, puisque j'ai été dans ces établissements, que je sais ce qui s'y passe, que je comprends parfaitement leur mobilisation et que je les soutiens. En Isère, il manque 9000 places. C'est-à-dire que la dame qui dit qu'elle a sa belle-mère et sa mère en EHPAD, je peux vous dire qu'en fait, elle a de la chance. C'est terrible de dire ça. Oui. Bah c'est terrible, oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de personnel dans les établissements qui existent et il n'y a pas suffisamment d'établissements. Oui. Donc on voit que 150 millions d'euros donnés par la ministre de la Santé, ça va être une goutte d'eau dans l'océan. Alors c'est pour... Il y a les 160 millions supplémentaires dans le budget et les 50 millions qui arrivent. Là où, pour moi, et ça c'est un travail aussi que je souhaite conduire au sein du MoDem, il s'agit vraiment de regarder, c'est ce qui a été dit aussi, hein. Il faut qu'on regarde à un moment donné. Parce qu'effectivement, les personnes âgées qui sont dépendantes, c'est humain. Ça veut dire qu'on se voile la face, c'est ça ? Ah oui. Je pense que collectivement, on se voile la face parce que finalement, vous allez dans un service de gérontologie, c'est aussi la vie. C'est aussi notre avenir à tous. Mais sans doute. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de le préparer le mieux possible, puisque maintenant vous êtes, vous, à l'action. Ça veut dire que vous allez peser avec votre groupe politique dans la majorité pour que ces choses-là avancent vraiment ce mandat-là. Parce qu'en plus, c'est pour moi un engagement de campagne. Et il s'agit de le faire sans tabou. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, oui, ça a un coût. On est endetté, on a une dépense publique qui est très forte. Alors, soit on dégage des moyens nouveaux, financiers. Je suis en train de réfléchir avec une de mes collègues de la commission des finances. Voilà, pour qu'on propose des solutions, pour qu'on avance. Trouver des nouvelles sources de financement, c'est ce que vous dites. Bah écoutez, je crois, puisque aujourd'hui, on n'arrive pas à financer. Ouais. Vous savez que les Français, depuis Jean-Pierre Raffarin, travaillent le lundi de Pentecôte, pour payer ce genre de dépenses. Oui, je sais, mais est-ce qu'on... Voilà, par exemple, sur les successions. Aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, on n'a pas voulu, parce qu'il y a une réticence aussi des Français, mais j'entends ce qui est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour trouver des financements ? Où est-ce qu'on peut trouver l'argent ? On ne va pas augmenter les impôts, on est bien d'accord, puisque la pression, elle est déjà beaucoup trop importante. On a parlé de pouvoir d'achat, on voit bien que les Français n'ont pas envie de voir leur pouvoir d'achat diminuer. Donc on va préempter les successions des hébergés, c'est ça ? Mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, après, qu'on puisse effectivement trouver des systèmes personnels en disant, c'est le fameux cinquième risque. Hein, je prévois pour ma future potentielle dépendance. Allez, d'autres établissements ont connu ces derniers jours des situations très tendues, les prisons. Et là aussi, hein, le taux d'encadrement, avec en plus une insécurité grandissante pour les gardiens, viennent aggraver les choses. Les gardiens qui sont de plus en plus souvent agressés, parfois même très violemment. Un mouvement national a été relayé chez nous, en Isère, à Saint-Quentin, Falavier et à Vars. À Vars, d'ailleurs, vous avez usé votre droit de visite pour aller sur place. Il y a un taux d'occupation à Vars de 156%. Oui.
Alors, non seulement il y a un taux d'occupation de 156%, mais les personnels, le nombre de postes est fixé par rapport au 100%. Et qu'en plus, il y a des difficultés de recrutement qui sont liées à la proximité avec le Sud, puisque dès qu'un agent peut retourner dans sa région d'origine ou aller dans le Sud, il y a un sous-effectif et il y a une surpopulation. Bon, c'est des métiers qui n'attirent pas beaucoup non plus, il faut bien reconnaître. C'est des métiers qui n'attirent pas beaucoup. Difficiles. Les conditions sont difficiles. Moi, j'ai rencontré des personnes responsables, des gens très investis. La directrice de l'établissement, qui est vraiment une personnalité remarquable. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la surpopulation. Alors, on ne va pas revoir tous les accords qui ont été trouvés, les différentes primes, l'accord qui a été trouvé. Vous avez défendu un numerus clausus. Oui. Vous dites, quand une prison est prévue pour 100 prisonniers, on ne peut pas en mettre 101. Écoutez, dans une école, quand il y a de la place pour 3 classes, on remplit les 3 classes, dans les crèches, dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, à un moment donné aussi, je pense que la tendance est à l'incarcération. Il y a un taux de détenus qui est inédit. C'est des pistes. Mais qu'est-ce qu'on fait du surnombre ? On n'emprisonne plus ou alors on construit des prisons ? Alors, la difficulté, c'est que là, avec les constructions qui sont envisagées, on arrive juste à faire descendre à 100% le taux d'occupation des autres prisons. Je pense qu'il y a effectivement les peines alternatives. Vous avez l'aménagement des peines. Il y a tout un travail qui est, dans le cadre des 5 chantiers de la justice, mené sur le sens et l'efficacité des peines, puisque la prison, je ne dis pas qu'il ne faut plus emprisonner les gens, mais... Vous dites qu'on emprisonne trop, c'est ça ? Écoutez, en tout cas, là, vu les capacités qui existent, bien évidemment qu'on emprisonne trop. Vous savez le procès qu'on va vous faire ? On va vous dire c'est du laxisme, finalement. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de peine. Faute de place, il ne faut plus emprisonner. Non, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas de peine. Je dis juste que la peine d'emprisonnement n'est pas forcément la peine la plus efficace et celle qui permet une meilleure réinsertion. Je ne vous parle pas des détenus violents, radicalisés, qui ont commis... Non, je vous parle de tout le système de peine qui peut être mis dans certains cas. Le juge reste... bien évidemment, c'est lui qui... Mais vous savez qu'aujourd'hui, sur toutes les peines de prison qui sont prononcées, il y en a une sur trois qui est réellement appliquée. Alors, il y a ça, puis il y a aussi le temps de la peine qui, en plus, si vous vous comportez bien, est réduit. Mais finalement, vous dites, on n'incarcère pas les gens, mais ils font quoi ? Quelles sont les peines qui leur sont... C'est bien le sens de la peine, du coup, qu'il faut réinterroger. On est bien d'accord. Et donc, tout le travail qui est fait au sein de la commission des lois, c'est là aussi, sans tabou et en regardant vraiment les choses, à quoi sert et quel est le but d'une peine de prison ? Il y a bien évidemment protéger la société. Donc, on protège la société contre une personne qui peut être dangereuse. Il y a aussi punir la personne au sens strict du terme. Mais il faut voir que, de toute façon, une personne n'est pas, hormis certains cas, emprisonnée à perpétuité. Donc... comment est-ce qu'on donne les moyens aussi à l'administration pénitentiaire d'enclencher ces systèmes-là ? Allez, on ne s'arrêtera pas sur les détenus radicalisés, vous les avez évoqués et on ne va pas faire d'amalgame. Quelques 1500 places situées dans des quartiers étanches doivent être créées dans ce mandat, 450 d'ici la fin de l'année. C'est la garde des Sceaux qui l'a annoncé. La garde des Sceaux, dans le conflit des gardiens, elle est parue assez affaiblie. Vous partagez cette idée ? Alors, j'ai bien entendu les portraits qui ont été faits d'elle. En tout cas, moi, personnellement, pour l'avoir avertie, mais elle était au courant, en tout cas, fait part des difficultés de la prison de Vars, puisque j'avais rencontré la directrice adjointe lors des portes ouvertes au tribunal de Grenoble. J'ai toujours senti une grande écoute. Mais vous savez ce qu'on a entendu ? On a entendu que... François Bayrou, du Modem, garde des Sceaux très éphémère au début du mandat, aurait sans doute conduit les négociations avec plus d'efficacité. Écoutez, peut-être, mais il n'était pas là. Donc je pense que... Il n'y a pas eu un manque d'expérience de la négociation de la part de la garde des Sceaux ?
Elle l'a reconnu elle-même, que c'était avant tout une femme d'expérience, une technicienne, qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de ces négociations politiques-là. Mais je crois qu'au final, l'accord a été trouvé et qu'on peut quand même lui laisser le crédit d'avoir réussi à trouver cet accord. Et en tout cas, j'en suis vraiment persuadée, hein, elle est vraiment personnellement investie dans cette mission. Le débat sur la dépénalisation du cannabis, alors le ministre de l'Intérieur a écarté hein, cette hypothèse, mais certains, comme le maire de Grenoble, continuent de défendre cette idée. Il veut un grand débat et il appelle à sortir des vieilles recettes du tout sécuritaire, cette stratégie qui a été en échec, c'est ce que dit le maire de Grenoble. Vous êtes sur cette longueur d'onde, il faut ouvrir un grand débat sur la dépénalisation du cannabis ? De toute façon, on voit aujourd'hui, je crois les chiffres, c'est 1,4 million de fumeurs réguliers, un coût de 850 millions, une réponse pénale qui, on voit bien, n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Alors là aussi, il y a tout un travail qui est fait à la fois au gouvernement et à la fois en commission des lois sur... il y a eu un rapport d'ailleurs qui a été rendu récemment sur est-ce qu'effectivement il faut mettre en place une amende forfaitaire pour le délit d'usage de alors ça, c'est pour la consommation. Ça, c'est pour la consommation, oui. Mais vous étiez favorable à cette contraventionnalisation. Elle n'est pas encore votée. Non, elle n'est pas encore votée. Je pense que... Vous la défendrez ? Alors, pour moi, si vous voulez, dans ma réflexion, j'ai encore besoin d'avoir des éléments. Pourquoi ? Parce que on voit bien que c'est un débat qui divise de façon très, très profonde la société. Je pense que d'un côté, il faut vraiment insister sur les méfaits de la consommation du cannabis pour les jeunes et les moins jeunes, qu'on a des exemples européens où effectivement, notamment les Pays-Bas, où on voit qu'ils ont réaménagé leur fonctionnement voilà, pour lutter contre le narcotourisme. Bon, donc je pense que c'est, en tout cas moi, au jour d'aujourd'hui... Vous n'êtes pas fixé. Non, parce que j'ai besoin de plus d'éléments et que pour moi, il s'agit vraiment de à la fois simplifier le travail de la police et en même temps... Eh oui, le fameux en même temps. Et le fameux en même temps, renforcer la prévention. Parce que je pense qu'il y a des dommages très importants qui sont causés par la consommation de cannabis et que je pense qu'il faut qu'on travaille plus sur le sujet. Et vous évoquiez les chiffres, effectivement, sur 140 000 interpellations pour consommation de cannabis, il y a 3 000 peines qui sont prononcées, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais bien souvent, quand on consomme, on deal aussi un peu. C'est ce qui rend le débat sans doute compliqué. Tout à fait. Également dans l'actualité, le débat qui est apparu en fin de semaine, là jeudi, sur l'avenir de la fonction publique, un chantier à haut risque pour le gouvernement qui a été évoqué donc pour réduire le nombre de fonctionnaires de 120 000 postes d'ici la fin du mandat, et avec l'annonce d'un plan de départ volontaire. Oui, alors ça, c'est une annonce que j'ai découverte également. C'est une volonté du gouvernement qui a été donnée. C'est une révolution. C'est un plan de départ volontaire dans le statut de la fonction publique. Oui, oui. En même temps, pour fréquenter beaucoup de fonctionnaires, là, j'ai une amie qui quitte la fonction publique et c'est pas facile. On voit aussi que les allers-retours éventuels sont extrêmement compliqués. Bah là, ce sera impossible, carrément. Un fonctionnaire pourra choisir de partir plus tôt, il recevra un chèque, mais il perdra son statut de fonctionnaire. Oui, 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 non, mais j'entends bien. Après, ceux qui ne souhaitent pas ne seront pas forcés. Il y a aussi, si vous voulez, par rapport au fonctionnement de l'administration, le projet de loi droit à l'erreur qui a été voté à l'Assemblée dernièrement, qui... là aussi, veut vraiment changer la relation de l'administration avec les usagers. Il y a le plan sur la fonction publique 2022 qui vraiment cherche à moderniser le fonctionnement de l'action publique. Donc, mais ça part du principe qu'il y a trop de fonctionnaires, soyons clairs. Bah, qu'en tout cas, les fonctionnaires à l'heure actuelle ne répondent pas forcément aux besoins, aux nouveaux besoins, j'ai envie de dire, parce que ça a correspondu à des besoins à un moment donné, aux nouveaux besoins. C'est explosif, hein. Alors on a en France 88 agents de la fonction publique pour 1000 habitants, l'Allemagne en a 55. Alors, on imagine que ça va être compliqué si cette réforme va jusqu'au bout. Les syndicats expriment leur colère. Hein. La CGT parle d'une déclaration de guerre.
À l'Assemblée, ça risque d'être très chaud. La France insoumise dénonce une purge. Oui. J'entends hein, ce qui est dit. Après, on est dans un processus de modernisation. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement au changement qui doit être fait. Effectivement, c'est une première, c'est inédit. Il faudra tenir bon ? Je pense, enfin, là, si vous voulez, là, très concrètement, les parlementaires n'ont pas été, enfin, en tout cas, moi, parlementaire, petite parlementaire du MoDem, je n'ai pas été consultée, je n'ai pas été associée. Je pense que, là encore, il faut qu'on discute et il faut que le gouvernement soit aussi attentif et à l'écoute des revendications qui sont faites. J'entends bien vos réticences. Vous serez en tout cas attentive. Tout à fait. Le plan loup de Nicolas Hulot, même la majorité En Marche n'est pas d'accord. Une vingtaine de députés de la majorité demandent une évolution pour rétablir la confiance avec le monde rural et préserver le pastoralisme. Ces parlementaires exigent notamment l'adoption de techniques scientifiques fiables pour évaluer le nombre de loups. On rappelle que le ministre de l'écologie souhaite 500 loups en France, d'ici la fin du mandat, les professionnels, le monde du pastoralisme est furieux. Alors, il y a, comme vous le savez, la Convention de Berne qui protège le loup. Donc, on est on a des traités internationaux. Ça nous empêche pas de faire des prélèvements. Ça nous empêche pas de faire des prélèvements, mais qui sont strictement encadrés. Donc, le loup est protégé. Il faut aussi protéger les troupeaux et protéger les éleveurs et les populations. Ça, les populations, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est compliqué pour moi aujourd'hui, c'est quand j'entends la cohabitation est impossible. Parce que ça veut dire quoi, la cohabitation est impossible ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on abatte tous les loups. Donc c'est là où, si vous voulez, à un moment donné, pour qu'on puisse trouver une solution et qu'on puisse se rejoindre, on ne peut pas partir du postulat que la cohabitation est impossible. Après, la façon dont on peut protéger les troupeaux. Moi, j'ai été saisie notamment par un éleveur de vaches et Reims qui me dit que c'est une vache qui est suffisamment agressive et que quelques vaches et Reims dans un troupeau peuvent défendre le troupeau. J'entends aussi que quand on tue un loup, finalement, c'est un loup qui ne revient pas à la meute. Donc, il ne va pas prévenir ses congénères qu'il ne faut pas aller dans un endroit. Et qu'il faut trouver des solutions qui sont des solutions très fines. Après, sur l'indemnisation, là, par contre, je pense qu'il faut aussi être très, très ferme et mettre les moyens, c'est-à-dire l'inconditionnalité des indemnisations, pour moi, est essentielle. Parce que... Il faut trouver de l'argent, du coup. Il faut trouver de l'argent, du coup, mais il faut aussi avoir... on protège le loup, on protège les troupeaux. En 2016, 3 200 000 euros pour indemniser les éleveurs dont les troupeaux ont été victimes du prédateur. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on évoque le dossier Lactalis. Alors, pas le dossier de la contamination au salmonelle du lait de l'entreprise Lactalis. Lactalis, c'est le propriétaire à Saint-Just-de-Clay, sur votre circonscription, de l'étoile du Vercors. Et l'étoile du Vercors, elle rejette ses eaux usées dans l'Isère, dans la rivière, plutôt que d'aller dans une station d'épuration. Vous avez saisi le ministre de l'écologie là-dessus. Bon, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. Non, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. Ce que je regrette, et je suis en contact très, très régulier avec le préfet sur cette question, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour moi, il est inadmissible aujourd'hui qu'une usine, tous les jours, rejette l'équivalent des effluents d'une ville de 10 000 habitants. Mais ça fait 15 ans que ça dure. Et ça fait 15 ans que ça dure, tout à fait. Donc... J'ai, comme vous l'avez rappelé, alerté de façon publique le gouvernement sur cette question et je suis extrêmement mobilisée vraiment et vigilante pour que les choses avancent. Mais on voit que ce géant de l'agroalimentaire, finalement, il n'accepte pas trop la règle.
On voit qu'il ne publie pas ses comptes. D'ailleurs, on avait déposé un amendement MoDem dans le cadre du projet de loi droit à l'erreur pour que les sanctions soient renforcées quand les entreprises ne publient pas leurs comptes. On voit que sur la contamination par les salmonelles, il y a une responsabilité qui doit être, par la DGCCRF, qui est en train d'être évaluée. Donc, en tout cas, moi, je suis vraiment choquée par le fait qu'aujourd'hui, l'Isère continue à être polluée. Parce qu'il y a des décisions de justice sur cette histoire de Saint-Just-de-Clé qui met en demeure l'entreprise de se mettre en règle. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce que le sujet est complexe. Mais en tout cas, il y a une décision du tribunal administratif de Grenoble qui reconnaît que le maire est dans son bon droit, quand il établit dans les documents d'urbanisme l'obligation pour une entreprise de se raccorder au réseau d'assainissement collectif. Puisque quand vous êtes un particulier aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire « Ah ben non, je ne vais pas me raccorder ». Donc aujourd'hui, les entreprises ont un statut à part. Mais le maire, lui, dans ses documents d'urbanisme, avait prévu ce cas. Donc la députée défend ce dossier, le maire est dans son bon droit et le préfet traîne des pieds. Alors le préfet... Il traîne des pieds, c'est-à-dire que pour lui, et c'est ce pourquoi on discute de façon très serrée aujourd'hui, il n'a pas les moyens juridiques de contraindre le raccordement. Merci beaucoup, Élodie Jacquet-Laforge, d'avoir été notre invitée. On se retrouve dans un instant dans le bonus, le supplément du Récap Info. Tiens, on va reparler de ce projet de loi destiné à encadrer la grande distribution. On va continuer à parler des géants de l'agroalimentaire. À tout de suite sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine avec de nouveaux invités.